Hello mes beautés, j'ai encore oublié mon intro. Je voulais vous dire que vendredi j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai oublié et que sur le coup j'ai pas pensé qu'il y avait mes produits terminés à faire. Du coup là je vais mettre, je crois, mes produits terminés et lundi. Je pense que lundi je vous ferai celle de ma Blissim parce que je l'ai reçue. C'est moi qui retourne le carton, mais vous verrez ça dans la vidéo. Et je vous parlerai de... Je suis en train de faire un peu de sport. Manger. Essayer de moins manger pour perdre du poids. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en barre d'infos. Je vous expliquerai ce que je fais. Bon, c'est pas foufou, mais je vous expliquerai si ça vous dit. Voilà. Bisous, je vous laisse parce que regardez le temps dehors. On va plus rien voir. Allez, je vais monter ma vidéo et la mettre en ligne pour que vous y pour que vous y que vous l'ayez, que vous l'ayez ce soir. Un peu, beaucoup. Fais-moi les gars, trop beau. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être averti dès qu'il y a une vidéo en ligne. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello mes beautés, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui est mes produits terminés. Je pensais que j'allais jamais arriver à la faire cette vidéo. On va commencer sans tarder, on va commencer par les masques. Je vais mettre d'abord les masques ici et après je vous montrerai. Je vous montrerai. Qu'est-ce que j'ai comme masque? J'ai fait, j'en ai fait trois hier. J'ai fait les lèvres, le visage et le contour des yeux. J'avais le contour des yeux bien sec. Et là aussi, c'était bien sec. Alors, je vais sortir le masque. Il n'y a pas grand-chose, hein. Mais je vous montre ce que j'ai terminé. Comme ça sera fait. J'ai fini le gommage aussi. J'ai fait un gommage. Ouais, cette fois, j'en ai fait des masques. On ne dira pas que j'ai pas fait de masque cette fois. Bon, on va commencer par lui. J'ai fait un masque des pieds. En fait, j'ai mis deux heures sur mes pieds. J'ai bien laissé agir. Après, j'ai pris une bassine à côté de moi. J'avais préparé ma bassine avec de l'eau chaude. Très chaude. Parce que tant que ça passe pendant deux heures, l'eau a fini par être moins chaude, moins brûlante. Comme ça, j'ai pu mettre mes pieds dedans. Et après, j'ai passé une crème esprit que j'avais achetée de la même marque que j'ai passée sur mes pieds. Et quelques jours, 3 jours après, 3, 4 jours après, ça commençait à bien s'enlever la peau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris une bassine d'eau chaude. J'ai remis mes pieds dedans. Pas brûlante, brûlante, mais j'ai mis mes pieds dedans. Quand j'ai vu que ça avait bien ramolli, machin et tout, j'ai pris une râpe, j'ai enlevé toutes les petites peaux qui commençaient à s'enlever. Et j'ai repassé la même crème que ça sans mes pieds. Et en fait, j'ai rien vu que la première fois quand je l'avais fait. Je ne vous dis pas dans les textes, c'était mes pieds. J'ai perdu la peau pendant plus d'une semaine. Là, au bout de 3-4 jours, j'ai fait ça, plus rien après. Mes pieds sont tout doux, tout neufs. Voilà pour ça. Et je vous le recommande, il est nickel. Je me suis fait un masque pour mes cheveux longueurs. Mes cheveux longs. Au début, j'ai eu du mal à comprendre le système. Mais ouais, ça fait effet 2-3 jours. Comme je lave pas mes cheveux tout le temps. Et c'est la première fois que je fais des masques comme ça. Parce que normalement, je fais des masques à l'huile de ricin, l'huile d'amande, l'huile d'argon, l'huile d'olive, l'huile de moutarde. Je mélange tous mes ingrédients ensemble et je mets sur ma tête. Je masse avec une brosse que j'avais achetée chez Action. Je masse bien. Je fais un chignon et je laisse agir toute la journée.
Et le soir, je me lave bien les cheveux et c'est nickel. Et là, c'est la première fois que je le faisais. Je peux pas vous dire si c'est bien parce que je le fais pas à long terme. Peut-être que si j'en reprendrai un autre et que j'essaierai, on verra bien. Voilà pour ça. Après, j'ai fait le scrubble là. Eh ben ça, je vous le recommande. Et il est top. Je m'en prendrai bien un autre quand j'irai. Mais c'est vraiment dégueulasse, dégueulasse, hein. Mais je vous le recommande. Ça m'a bien gommé les machins. Et après, j'avais acheté une huile. Bon, moi, ça m'en sert pour l'huile pour les vergetures, en fait. Et ben, j'ai fait ça. Je me suis bien rincée et tout. Je me suis essuyée. Et après, j'ai passé que sur les zones où ça m'intéresse. J'ai passé la crème que j'avais achetée exprès pour ça. Et c'est parfait. Sinon, vous pouvez le faire vous-même, hein. Vous mettez du marc à café, vous mettez du sucre, du miel. Vous faites, hein, c'est la même chose. C'est que moi j'avais la flemme et j'ai acheté ça. J'ai fait les deux masques. Bon, pas en même temps, mais les deux masques néon. Bon, ça va, parfait. J'en ai deux, je referai. Il était. Alors, celui pour le stress, j'ai fait ça le soir devant la télé. J'étais vraiment aux anges. J'avais l'impression d'y être même. Il est topissime. Essayez voir. Si vous l'avez pas testé. Après j'ai fait ça. Ça. Je sais plus si je l'avais acheté chez Action ou AliExpress. Mais je vous recommande pas. Il n'y avait rien du tout. Et j'ai fait hier soir. Il n'y avait rien. Alors bah, ça c'est la même chose. J'ai fait le truc pour les. Ben, c'est ça. Pour les lèvres. Ça a eu du mal à tenir, mais ça a tenu quand même. J'ai gardé 15 minutes. Alors, je sais pas si vous allez voir. Le premier, j'avais fait, il n'a pas tenu. Celui-là, il a tenu quand même pas mal. Parce que je l'ai laissé 15 minutes, ça a tenu. Mais au début, je pensais qu'il n'allait pas tenir du tout. Parce que le premier que j'avais acheté, il n'a pas tenu du tout. Voilà, je mets là. Après, j'ai celui-là. Alors, celui-là, il était vraiment topissime, celui-là. Celui-là, si je le retrouve, je le reprendrai. Il était vraiment bien, celui-là. Ça m'avait bien fait du bien en ma peau. Et ça se voit parce que j'avais arrêté de le faire. Et là, je commençais encore à. Du coup, celui-là, il est vraiment bien, celui-là. Tissu au lait. 15 minutes. Et ils disent après, déplier le masque, appliquer soigneusement sur le visage, nettoyer le contour des yeux, laisser poser 15 minutes. Il tient parfaitement. Laissez libre vos mouvements. Massez avec un coton pour enlever l'excédent et nettoyez quotidiennement votre peau et découvrez la solution micellaire. Garnier. Moi, je ne l'ai pas fait avec Garnier. J'ai fait avec une que j'avais eue dans la box. Je m'en sers des petites miniatures comme ça parce qu'après, je les garde, je les garde, je les garde. Et après, elles sont plus bonnes. Je suis obligée de les jeter. Alors, du coup, je finis toutes mes petites miniatures que j'ai dans mes box. Alors ça, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Je vous le recommande. Et tape ici. Celui-là, je l'ai fait hier soir. Ça va. Mais trop, ils ont trop de produits à l'intérieur. Il y avait encore. Encore du produit à l'intérieur, c'est énervant. Pourtant, le masque, il était rempli de chez rempli. Et ben quand je l'ai enlevé de l'intérieur, il y avait encore du produit à l'intérieur. C'est chaud, ça. J'en suis sûre que si je l'ouvre, il y a encore du produit dedans. C'est ça qui est chiant. Ou c'est peut-être évaporé avec la chaleur, peut-être. Je suis petite. Regardez. Ils sont bien, mais ils mettent trop de produits à l'intérieur. C'est énervant. Mais j'aime bien. J'ai fait. Je me suis pris pour. C'est belle, là? Oh, je sais plus. Comment elle s'appelle, elle? Blanche-Neige. C'est pas elle qui sera avec cette mec? Je sais plus. Je sais plus. C'est que j'ai pas la même bouquet là.
conneries. Bon, on va passer. Vous connaissez? Je vous le raconte plus l'histoire. Ça, c'est nature. Ultra mal. Okay. Ça, moi, j'aime pas. Il kiffe. Un paille pour le lait, c'est pas moi qui l'ai essayé parce que moi j'ai pas de pellicule et les garçons ont fini l'axe. Ça sent bon, je sens encore là. L'axe. C'est 12 heures de parfum frais. Ah, c'est pour ça que j'aime bien l'odeur. Il y a de la noix de coco et du poivre noir. 92% d'origine naturelle. Voilà, les garçons finissent ça. Gaëtan m'a demandé s'il y en avait d'autres parce qu'il en voulait d'autres. J'ai fini ces petits Mickey-là. En tous les cas, je vous le recommande parce que moi, ça m'a vraiment fait du bien sur ma perte de cheveux. J'en prenais deux tous les jours. Et ben là, j'ai repris l'autre, là. Mais je vous l'ai montré dans un retour de course Axon. Mais si vous n'avez pas testé, allez-y. Il est trop top, celui-là. Bon, on va passer au dentifrice. Ah oui, les garçons ont fini le... C'est un gel, je crois. Un gel L'Oréal sculptant. Ils ont fini. Il faut que j'en rachète, mais... Ça n'est plus. Il y a quoi? Bon, ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais j'ai jeté le carton. Crème de jour, il est nickel, mais celui-là, j'ai l'impression qu'il colle un peu. J'ai fini le mascara de la Blissime que j'avais eu au mois de je sais plus quand. Je l'ai fini. Pourtant, il était trop bien. Je l'adorais, ce mascara, mais il est fini. Alors, du coup, voir si je peux me récupérer un autre. Mais il était trop top. Je vais finir la poubelle. J'ai fini ça. Le Garancia Larme de Phoenix pour les sourcils. Je vois pas s'il y a eu quelque chose. Le Phoenix, en tous les cas, il est pas ronné sur mes sourcils. Hein. Sur mes cils, hein. Ils ont pas ronné. Hein. Mais je l'ai fini. Ça, est-ce que je rachèterai? Non, parce que je l'ai eu, je crois, en même temps que le mascara. Le mascara, lui, il m'a bien fait des cils de... Mais lui... Je rachèterai pas. Ça, j'avais eu en cadeau chez Yves Rocher avec mes points. Ça va. Celui-là, si je le retrouve, je me le reprendrai. Il était topissime. Bon, la bouteille, je vais pas. Je pense pas que je vais la garder parce que on verra bien. Le crayon, là, il vient de chez Unique. La marque que j'adore, que j'admire, que je aime de tout mon cœur. Même si je suis plus ambassadrice. Mais en fait, la mine, elle s'est cassée. Je peux rien faire. La mine, elle est pétée. Je crois qu'elle est pétée tout le long. Du coup, j'ai acheté. Et on a fini. Le dentifrice comme ça, qui a pris cher, c'est du Watt. Maxi White, il a pris cher. Je recommande parce que je rachète tout le temps chez Action, sont moins chers. Celui-là, il a pris cher aussi. C'est au charbon, celui-là. Ouais, charbon. Blancheur et détox. Après, j'ai fini le Colgate. Maxi Pur, désoxifiant. Pareil. Nickel. Je vous les montre parce que il y a un moment je vous les montrerai pas et les gens doivent se dire elle se brosse les dents ou pas, c'est dégueulasse. Moi aussi on se brosse les dents. J'ai fini mon glaze comme ça, faut que j'en rachète un pour Noël, il était trop bon celui-là. J'ai acheté chez Action Odeur Tenace, ça c'est sûr, et celui-là je vais voir pour m'en prendre des pour Noël, ça serait trop canon. Et j'ai fini mes mon WC canard comme ça, que je vous en parle tout le temps. Et voilà. Ah, j'ai fini les deux.
pour mes produits terminés. Ma vidéo, elle a été longue. J'espère que ça vous aura plu.